Nous avons des malades, nous avons des batteries. Tout côté, l'étape, il y a l'adoration qui fait monter l'onction. Parce que, dans Jean 4, 23, 24, nous besoin de voir. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc, au commun, nous avons besoin de beaucoup plus d'adorateurs. Alors, tout ça n'a pas ça ressemble là. Tout ça n'a pas ça nuance, mais il y a cinq étapes qui peuvent te soutenir à faire une journée devant Dieu. Quelquefois, nous passons beaucoup de temps à prier, à méditer, mais peu de temps à adorer. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit. Paul et Silas, enfermés, arrêtés, ligotés, mais grâce à l'adoration et louange des autres disciples, des autres apôtres, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour aller les délivrer. C'est dans Actes des Apôtres 16, premier verset jusqu'au 10e verset. Mon côté accompagne Nayon. Mon côté accompagne Nayon. Mon côté accompagne Nayon. Monsieur mon côté accompagne Nayon. Mon côté accompagne Namouyaï. Mon côté à Pocanimayo, mon côté à Pocanimayo, ma fille à mon côté à Pocanimayo, mon côté à Pocanimayo, mon côté à Pocanimayo, mon côté à Pocanimayo. Basi ya mokoti, akukani na yo mokote, mokote akukani na yo, mokote akukani na yo, mokote akukani na yo, yoke mokote akukani na yo. Qu'il faut commencer à adorer. C'est ces noms qui vont accompagner avec l'onction dans notre adoration. Pour faire descendre l'onction de Dieu, il faut être un chrétien adorateur parce que dans l'adoration, il y a la puissance qui amène tout. Le plus grand nom de Dieu, c'est Elohim. Nous avons dans la combo 5, oh qui te saka gloire, oh qui te saka lokum, oh qui te saka nyos. Quand vous avez adoré, adoré Nzambe, les amis qui ont tali ça y est, nani yazani. Nzambe a zonou ka badorate, Nzambe a zonou ka te bato ba mouchina, ba ou ba représente ba problème.
Azoba bon lukana no bokozi na likolo soki bozi bokozi na likolo etia yo pesa mira bino bolesa katango mingi nzambo yebi nzambo alobi avant olala ayebi avant pota ayebi yo kumisa ye yo netola ye ya osaleres. Alléluia. Elohim sera notre premier nom dans Genèse 1:1. Genèse 1:1 dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La Bible est traduite de grec à l'hébreu. Et en grec, Elohim signifie Dieu créateur. Il faut commencer à comprendre pourquoi tu adores Dieu. Jésus, en causant avec la Samaritaine, cette femme voulait faire croire à Jésus qu'elle allait adorer dans des montagnes. Jésus lui dit, il faut savoir que cette idéologie-là était passée, finie, démodée, et que plus jamais, Dieu ne sera plus adoré en montagne, mais la grandeur de Dieu est en esprit et en adoration. Alors, vous tout le monde est en que il faut que dans Israël, il faut que dans Bangomba, il faut que nous avons un adorateur en esprit et en vérité. Et si quand nous sommes allés, dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, dans la porte, dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, femme samaritaine, dans la chambre, dans la chambre, dans le monde des ténèbres, dans le monde de Kinshasa, pour que nous puissions battre dans le Jourdain, pour que nous puissions battre dans la chambre, pour que nous puissions battre dans la chambre, pour que nous puissions battre dans la ville de Mozali. À moins que net vision la côte, oui, nous avons la ville sombre pour que les places maïs à l'île soit battue. Voilà, c'est un péché. Mais on réalise que, allons à Congo, à Totiki Bama à Congo, à l'amour à Jourdain pour que nous soyons battus, et pourtant, on se soit battu dans mon cali, on se soit battu déjà dans ma maïs, nous sommes déjà là, ils allient esprit à Satan. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, envoie des devoirs comme David, qui dit qu'il a porté envie de vouloir voir les méchants prospérer, mais il dit, lorsque je décida de faire comme eux, parler comme eux, l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu me saisit et il changea. David a dit, il a copié ma méchant, ma comme un méchant, n'a salamandé le roi d'Ango. Mais l'air a n'a salamandé, moui mon ensemble, poti na katnaé, a salimalam. Alléluia. Quand il pénétra dans la sanctuaire, il changea tout. Et Dieu ne peut se manifester en vous que si vous prenez l'habitude dans son sanctuaire céleste. En recevant, sorry, nazo kosola, malili, soit qui biso, boli, mais ça, pour tout ça, ma kosso. Yavona, au moins, il prenait une nanata, sa tête, ali, pour nan. Donc, comme il y a Adonai, Dieu le créateur, et ça est très important tant que nous n'avons pas adoré. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Mozari si allora pericolo, vedate chi può stare la mano. Alla bocca del tuo fede qua, Gesù puissa che ti è grande. Alla bocca del tuo fede qua, Gesù puissa che ti è grande. Dio zambolo, mochelli naricore, Je t'aime,
Vous changez de langage, l'angoisse disparaisse et que Dieu devienne réellement ta vie. Alléluia. Pas un Dieu du soir, un Dieu hier, mais un Dieu soulage vivant dans ta vie. Quand vous avez la Nzambo à qui l'a dit que l'on a fait, vous avez ta sous Nzambo à l'histoire, mais comme Nzambo à vérité. Alléluia. Il faut dire, je t'aime Seigneur. Jésus a besoin des actes pour qu'il croie à ton amour. Dieu a besoin d'un comportement d'être adorateur. Tu lui dis Elohim, il y a que toi, le seul créateur. Voilà pourquoi je t'adore, car il est absolu. Je voudrais te rendre grâce, je te lève en tant que créateur, car dans ce monde, il y a des fondateurs de partis politiques, de sociétés, il y a des présidents, il y a des PDG, il y a des mopaux, mais le créateur, le seul vrai créateur, c'est toi Elohim. Quand vous êtes en train de vous dire, nous avons un peu de PDG, nous avons un mopaux, nous avons un président, nous avons un nain, mais le seul Dieu qui a créé, vous avez créé les colonnes en sasaka à Mokozayo. Voilà, nous avons un peu de temps. L'anda tous les cinq noms ont, ceux qui prenaient partie Katani, deuxième partie Katani. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons créé l'univers. Au moment où nous avons un salle. Et tu es absolu. Tout ce qui est créé a été créé par toi et tu es créé, tu es le même. Tu t'es créé toi-même. Tu es nu de vie. Tu es nu de vie, tu es nu fait. Tu es le début toi-même. Tu es le commencement et tu es la fin. Alpha, Omega. On va dire que c'est un homme de moi. Dieu n'a pas de couleur, ni de blanc, ni noir. Il est esprit. Il y a vraiment un seul mot qui dit que c'est un homme de moi. Il y a un homme de moi. Il y a un homme de couleur. Il y a un homme d'esprit. Esprit. Nous avons un homme de couleur. Nous avons un couleur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons pas selon la chair, ni selon les concepts, car selon la chair, c'est l'enfant de Marie, de Joseph, des Juifs. Alors qu'en esprit, il est le fils de l'homme, Dieu véritable. Sortez des églises et des traditions où il y a un Dieu noir ou africain, Dieu est l'esprit, il est le créateur de tout. Donc il est ni blanc, ni noir, ni jaune. Seul Dieu doit être l'objet de ta joie, allégresse. Et pour que tu connaisses Elohim, Dieu créateur, il faut connaître son fils qui est le droit de te révéler son père. Pour y avoir un Zambé Elohim, un Zambé Mokeli, un Zambé Ola qui l'a commencé, Elohim, Ola Juif, Elohim na hébreu, il faut y avoir moi là. Parce que moi, je suis un père. Alléluia. Rosan Zambé, Rosan Zambé, Rosan Zambé. Je t'adore parce qu'il est Joshua, Amashia. Dans Genèse, son premier verset parle de Dieu créa, et deuxième et troisième verset, Dieu dit là, l'éternel Dieu, pourquoi ça change? Chez les Hébreux, il y a une signification, Joshua signifie éternel Dieu, Dieu de l'Alliance. Comment cela est arrivé qu'il soit appelé éternel Dieu? Cela signifie Dieu de l'amour, Dieu de l'Alliance, tout évitant qu'à Adam et Ève pécha. Il est caché, mais Dieu vient, il se cacha, mais Dieu viendra, l'éternel Dieu appela Adam. Là, mais Dieu viendra, Dieu n'était plus venu comme Elohim, Dieu tout-puissant et autoritaire pour que Adam ne s'enfuit pas, il vient comme éternel Dieu, Dieu qui est amour, Dieu vient faire l'alliance et Dieu plein de compassion d'amour. Alléluia.